Voici l'aile qui nous manquait. Elle est très belle. Je propose que nous modifions les trois ailes que nous avons pour qu'elles soient toutes comme celle-ci. Est-ce bien nécessaire? Dépêchons-nous plutôt d'assembler les sandales volantes. Un héros peut arriver à tout moment. Du calme. Ce sera plus joli et même plus pratique pour bien voler. Et voilà! On a tout ce qu'il faut pour mettre les ailes sur les sandales que nous a données Hermès. Que nous a confiées Hermès. Elles ne nous appartiennent pas vraiment. Au travail et avec soin. Parfait! Qui veut essayer? Moi! Moi! Qu'est-ce que j'avais dit? On va les rendre plus petites. Essayons comme ceci. Attention! Ah, ah, génial! Ça marche du tonnerre! C'est bon, on a vu. Tu peux redescendre maintenant. Et voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, passons à l'autre objet magique. Wakatoon. Et voici le casque qui rend invisible celui qui le porte. Fais voir! Et voilà! Je te vois encore! N'importe quoi! Comment ça, tu me vois? Oui! Je vois tes traces de pieds dans le sable! Ah, d'accord! Oh, mais attendez! Et là? Maintenant, c'est vraiment impossible de savoir où tu es! Coucou! Coucou! Si toi aussi, tu t'y mets maintenant... Bon, maintenant, au tour du dernier objet magique. Je m'en charge. Wakatoon, Wakatoon. Et voici la besace magique. Ce sac permet de transporter en toute sécurité les objets maléfiques. Laissez-moi essayer! Mais nous n'avons pas d'objets maléfiques. Une pierre peut causer beaucoup de mal. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais la faire tomber sur les rochers. Si la besace rend tous les objets inoffensifs, la pierre à l'intérieur devrait tomber comme une plume. Madame se prend pour une savante qui fait des expériences. Attention ! Expérience ratée. Pire que ratée. Regardez la besace. Il y a un petit accroc maintenant. Bravo ! Désolé. Wakatoon. Wakatoon. Et enfin, la faucille, qui peut blesser n'importe quelle créature. Madame veut tenter une expérience? Enfin, je vous ai trouvé. Je suis Persée, fils de Zeus et de Danaé. Et je viens chercher les objets magiques qui me permettront de couper la tête de la méduse. Nous avons donné à Persée tous les objets magiques. Avec les sandales ailées, il arriva au repère de la méduse, dont le regard changeait toute créature en statue. Avec le casque qui rend invisible, il arriva derrière la créature maléfique sans croiser son regard. Et avec la faucille, il lui coupa la tête. Il n'arrête pas de se vanter de ses exploits, mais c'était assez facile avec tous ces objets magiques. Puis il mit la tête de méduse dans la besace magique pour l'emporter sans risque. Et alors que Persée survolait le désert, à cause d'un petit accroc dans la besace, une goutte de sang de la tête de méduse tomba au sol. Et c'est ainsi que furent créés les serpents. Désolée,